Salut, bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial qui est le GTA V. Donc, petite critique. Alors, on va commencer, numéro 1, on va commencer par une. Comment dire? La maniabilité des véhicules, c'est beaucoup trop fort. Certes, c'est plus facile à conduire, mais c'est beaucoup trop fort. Deux, les suspensions, elles sont pas vraiment réalistes. Mais bon. Trois, ce jeu. Quand vous roulez trop vite avec cette camionnette là, et bien en fait, quand vous roulez trop vite sur cette route, sur une route qui descend et où il y a des gros virages, et bien si vous freinez pas, vous accélérez au contraire, cette camionnette va commencer à faire ça. Blam, blam, blam. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé. 4 ou 5, je sais plus. Les accidents. Alors, niveau accident, ça dépend. Si vous avez une voiture, y a certaines voitures qui se défendent plutôt bien et d'autres elles se défendent pas du tout. Je m'en suis rendu compte quand j'ai joué au jeu. Mais encore ça va. Numéro 5. Numéro 5. Depuis quand klaxonner aux flics, on a 2 étoiles. Depuis quand? Ah non, mais je vous ai pas dit, parce qu'une fois, j'avais joué à GTA 5, hein, j'avais klaxonné aux flics pour savoir ce que ça faisait. Au lieu d'avoir une étoile et que les flics qui commencent à me poursuivre et que je les sème, j'ai eu 2 étoiles. 2 étoiles, oui. Et voilà. C'est complètement con. C'est comme si tu jetais un petit caillou, t'avais 5 étoiles. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Tu vas choisir ton choix, hein, ton chien t'aura 10 étoiles. Non mais. Faut pas abuser quoi. Bon voilà, je voulais juste vous dire que 5 choses à savoir sur GTA 5 qui sont complètement cons. Et j'ai raison. Donc je vais vous laisser. Et puis, ciao.